Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Murder sous le suspect. Sous des éclairs d'applaudissements dehors, là je vous vois, merci, merci. C'est adorable de me suivre, franchement. On se retrouve dans cet hôpital psychiatrique où l'infirmier n'était pas là avant. Alors pourquoi il n'était pas là avant? Tout simplement parce que j'avais oublié de regarder dans l'écran de la vieille. Donc Joy ne m'avait pas suivi et elle me suit que maintenant. Salut Joy, ça va? Oui, parce que la dernière fois, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Bon, je l'ai fait venir, mais il n'y a rien de plus qui s'est passé. On n'a pas fait l'amour, rien du tout. Dommage, elle a un petit air qui me plaît bien. Donc, on va aller. Il faut que je me débarrasse de cet infirmier pour ça. Alors, vous allez voir que les touches qui vont apparaître à l'écran ne seront plus les mêmes que dans les autres épisodes. Pourquoi? Tout simplement parce que j'utilise la manette pour voir si ça marche mieux ou pas. Hein. J'ai envie d'essayer. Voilà. Parler. Ok, ça va. T'es dans un hôpital psychiatrique, mais t'es déjà morte, hein, toi, je te signale. Bon. Voilà, donc j'étais bloqué, je savais plus quoi faire. Et ben maintenant, je sais quoi faire. Il faut emmener Joy. Alors, on va emmener Joy. Hop là, on fait attention à ça. Salut! Par contre, ouais, non, voilà. C'est bien ce que je pensais. Les touches, c'est pas encore ça. Hein. Alors, lire dans la pensée. C'est pas vrai. La télé Bonjour, je suis Alphonse Alpha. Ah, ben voilà. Allez, va voir la télé un peu. On va regarder ce qui. C'est quoi le problème? Prodigieuse lorsque je lève mon glaive magique. Allez, vas-y. Vas-y, passe. Allez. Allez, sors. 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 Allez, qu'est-ce que tu fous? Le plus fort de ah, tous les hommes. il y a une autre Ce qui inclut donc toutes les femmes. Une autre caméra, quoi. Et n'oubliez Pas de pas, caméra. enfants, écoutez toujours ce que votre cœur vous murmure. Tiens, écoute mon cœur, Billy. Ah si, il y a une oh caméra là. Attention, Ah bah bravo. Enfants, un éboulement d'éval sur nous. Allez, vas-y, vite, 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 vite. En fait, la meuf, elle nous a autorisé à monter, donc tu peux, t'es même pas obligé de te cacher en fait. Je sais même pas pourquoi tu le caches. Tu vas devoir m'aider là. À toi de jouer. Je dois te posséder pour traverser ces trucs. Pas question. Je déteste ça. Eh ben, c'est pas grave, je vais rentrer en toi. Toute seule. Ah, ok. Je rentre en toi. À des âmes perdues, je suppose. Celles qui se sont enracinées dans cet endroit au lieu de chercher à nous quitter comme toi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'as fait demi-tour au juste? Allez, c'est bon, je te laisse tranquille. Je veux ramasser ça, moi. Allez, plus que 5! Plus que 5 et on connaîtra l'histoire. Non. On fait quoi? Bon, continue. Va dans la chambre d'Iris. Non, non. On doit rester tous les deux. John, on n'a pas le choix. Je te rejoins dès que j'aurai trouvé un moyen de contourner ça. Allez! Allez, je vais trouver un moyen, t'inquiète. What? Allez, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Va falloir que je balance des trucs dessus, non? No, God! No, God, please, no! 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 Non, même pas. Je peux même pas faire demi-tour. C'est quoi ce bruit là? Ok, y a rien. Ok! Bon ben on va ouvrir la porte tout simplement. Non, ça marche pas, c'est pas aussi simple. Service psychiatrique. Et? Ok. Ah ah, y a quelque chose là. Scellé. Ouais, mais je suis un fantôme, je passe partout, moi. Enfin, non, je suis pas passe-partout, Je suis passe-partout du Fort Boyard. Allez, plus que 4, mais il en restait pas déjà 4? Merde. Je le sens pas, ce truc. Y a rien, y a pas de fantôme, ça va, ça va. Tout va bien alors.
Donc je peux pas aller là. What? What? Je l'avais pas vu. Ouais, non, c'est pas du tout. C'est pas du tout plus pratique en fait. C'est quoi ça? LB. L vers le bas et B. Je sais pas. What? Bon, hein, cette action était totalement faite exprès. Hein. Je sais pas si ça se dit faite exprès. faite exprès. Une... Ouais, c'est ça, faites exprès. Parce que exprès, ça sonne pas bien. Bon, ça y est. Il a quoi là, le chargement? Ah bon? Ah bon? Voilà, il y en a de partout, va falloir que je fasse attention. Va falloir que je fasse attention parce que je suis pas sûr de réussir à m'échapper de, de cette merde. Ok, bon bah, j'espère que j'ai rien oublié. Parce que je pourrais pas y revenir. Pas un fantôme en haut. Eh mais attends, je peux me... non, je peux pas. Et non. Non, bon bah tant pis, c'est pas grave. Écoute, tu veux pas, tu veux pas. Je vois pas pourquoi tu veux pas monter, mais c'est pas grave. Oh oh, il y a quelque chose ici. Ah, un rat, bien. Je... Après avoir possédé un chat, je possède un... Ah, mais c'est pas un rat. C'est un chat. Je croyais que c'était un rat. Là là. N'importe quoi. Allez, plus que 3. Bon, on avance, on avance. Y'a pas un... Bah justement, un petit rat, allez. On le court après. Ok, ils ont fait une grande salle pour rien y mettre. C'est sympa. C'est un concept, un concept. Ça, c'était un rat, par contre, ça. Ah, ça, c'était un rat. Voilà, bon appétit. Ça, c'était des pixels. Des pixels sur une toile d'araignée. Des pixels qui se balançaient sur une toile. N'importe quoi, arrête. Arrête de chanter. Un crâne? What? Mais pourquoi? Quoi? Attends, déjà, comment le... T'es sérieux, là? Il y a un gars, il est rentré dans les conduits à diversion, il est mort, et il a laissé que sa tête. Il a perdu sa tête, ici. Bah, dans un asile psychiatrique, perdre sa tête, c'est pas... C'est fréquent, quand même. Hein. Un autre rat. Ils devraient faire attention à la qualité de leur nourriture, quand même. Ah ouais, miaule. Bah vas-y, saute. Allez! Ah ah, ils sont en bas. On va déjà aller voir ça, là. Plus que 2. C'est une grande pièce, hein, alors je visite. Je visite. Regardez. Il y a un passage là. Je sais pas si je peux y aller. À mon avis, je peux y aller. Donc on va peut-être passer par là, mais avant tout, on va voir si on n'a rien oublié. Eh, franchement, c'est vachement propre, hein, moi, je trouve. Il y a des gars qui viennent ici pour nettoyer. Hein. Ça se voit. Là, je peux pas passer, là. Donc, lui, il veut que j'aille ici. Ici. Et les fantômes, ils sont là-bas. Ouais, mais c'est nickel ici aussi, non? Pauvre chat qui va se retrouver tout seul dans un endroit paumé comme ça. À cause de moi. S'il faut, il va mourir. Mais j'ai envie de passer par ailleurs. C'était où déjà l'autre?
l'entrée. Là, ici, voilà. Ah non, ben on peut pas. On peut pas, et ben nous n'avons pas le choix, alors nous allons passer par le chemin prévu à cet effet. Hein. J'aime bien ne pas suivre les... Et voilà, allez, on sort de toi. Ah là là. Le truc c'est que je suis complètement perdu, alors il y a quoi derrière là? Notre chambre. Ok. Il est là. Faut pas que je le rate, hein. Alors ça va être le premier essai avec manette. Faut vraiment pas que je me rate. Et voilà, je me suis raté. Oui. Comment faire pour échouer? En plus, il n'y a aucun fantôme. C'est génial. Ah, il y en avait un là. Ouh, ça va être compliqué ça, dis-moi. Bon, je fais quelques essais et je vous retrouve après les essais. Allez, 2-1. Et 2-2. Et pourquoi lui, il a pas voulu? Et voilà, nous avons enfin réussi. Enfin, j'ai tout seul, hein. J'ai fait ça tout seul. Vous ne m'avez pas aidé. Je vous remercie pas, non. Non, mais sérieux. En plus, il s'approprie la victoire et tout. C'est ma victoire. C'était dur, mais c'est ma victoire. Non, mais je vous jure. Non, c'est grâce à vous si j'arrive. Allez, c'est bon, allez, va. C'est parce que je sais qu'il y a des gens au fin fond de la planète, en Antarctique ou des Esquimaux ou n'importe qui, il y a quelqu'un, il y a une personne au moins qui me regarde. Je le sais, au fond de moi, je le sais. Bonjour, est-ce que tu me regardes, toi? Bah non, bah, regarde-moi du coup. Ces membres, ce sont pas les miens. Où suis-je? Vous travaillez ici? Pitié. C'est vrai qu'il est un peu trop gros pour être le tien. C'est un coup de poulet. What? C'est un coup de poulet. Bah déjà tu peux pas le manger donc tu m'étonnes, hein. T'es un gros mytho gars. Bon, et bah y'a rien, bah, on va se dépêcher alors. On va partir d'ici. Je regarde s'il n'y en a pas un quatrième, hein, parce que j'aimerais pas me faire avoir. Donc oui, j'ai à peu près compris comment ça marchait. À peu près. Est-ce que je peux passer, là? Je sais pas si je peux passer, je peux pas passer. Est-ce que je peux passer... comme ça? Et non, je peux pas passer par-dessus avec ça. Ah. Malin! Bon, on va passer ailleurs, on va voir s'il doit y avoir un autre chemin. Regardez. Regardez-moi ça. Olé ! Le talent, les gars, le talent. Ouh. Mais c'est spécial, un hôpital psychiatrique, quand même. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit comme ça en vrai. En tout cas, en France. Hein. D'accord, j'avais même pas besoin d'aller là-bas. Théâtre. Ah oui, bien. Théâtre. Ah, ils appellent ça comme ça, le théâtre. Ok. Bon, je vous laisse lire. What? Pourquoi ils... Depuis quand ils disparaissent?
Ça m'inspire pas confiance, ça. Normalement, ils disparaissent pas, eux. Ils se foutent de ma gueule, là. Regardez! Regardez, ils disparaissent! What? Quand tu t'approches, ils disparaissent. Ah ouais, ok. D'accord. C'est une mise à jour ou... Ils sont pas censés disparaître, hein, mais bon. Disparaître. Oh. Mon Dieu. Je suis tellement pas drôle des fois. Ok. Eh ben voilà. Contourner le mur, voilà. J'ai fait tout ce chemin pour arriver derrière ça. Et là, la porte elle s'ouvre et on se retrouve de l'autre côté, non? Porte de la mort. Ah ouais, bah putain, ça c'était la porte de la mort. Hein. Ah, bah elle est là, Joy. Une petite récompense. Voilà. Plus qu'un, allez, plus qu'un. On va la trouver, on va le trouver, la camisole de force, là. Pourquoi je t'ai oublié? Non, je t'ai pas oublié. Je t'ai offert des fleurs. Ou pas. Ah, c'est bon? D'accord, d'accord, ok. J'ai compris ce que tu veux dire. Y'a pas une caméra de sécurité par hasard? Y'a pas l'air. On ouvre la porte. Ok, ici y'en a une. Allez, vas-y, vite! Vite, passe, passe! Je l'ai trouvé. Je ferais mieux d'aller chercher Joy et la ramener. Ah, salut toi! Coucou! Hey, c'est Calibre. Tu veux voir ma bite? Oh, elle dessine bien aussi. Excuse-moi d'avoir gâché tes dessins. Ah, j'aime bien, moi. Mais c'est pas une folle, c'est juste une artiste. Tous les artistes sont pris pour des fous. Ah, d'accord, et on a... Attendez, attendez. Non, personne n'est au courant. On discute, là, c'est tout. Tu te rends pas compte. Tu crois qu'on est discret, mais les gens voient beaucoup de choses. Ah, la cougar. Mais non. Mettre pendant qu'on... Tu vois quoi? Moi pas, ok. Tu vas me faire bouger. Ouah, la cougar. Regardez-moi ça. Il est sérieux. Ça commence vraiment à perdre son charme. Ah bah, eh bah... Pas satisfaite, la cougar, elle a un gamin, elle a un jeune adulte, là un beau gosse et tout. C'est une vieille. Oh, je te jure, les jeunes. Les souris se faufiler sous la porte, dans les fissures. C'est une question de concentration. Mais... et de discipline. Et c'est la même que tout à l'heure? J'ai tout le temps d'entraîner. Comment elle a fait pour arriver là avant moi? Ah, le moment fatidique, les gens. Recueillir un ensemble d'objets anciens mystérieux. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. J'ai eu une longue carrière en tant qu'inspecteur de l'État, département de santé mentale. Au cours des années, j'ai inspecté de nombreuses institutions et j'ai été témoin de beaucoup de choses horribles. Mais rien qui n'égale les atrocités du sanatorium Fairhaven. L'endroit qu'on appelle aujourd'hui Lux Aeterna. J'y arrivais pour la première fois en 1926 afin d'enquêter sur des plaintes pour négligence et surpeuplement. En fait, la réputation de Fairhaven était ternie depuis longtemps. Le sanatorium ouvrit ses portes pour la première fois en 1911. Un criminel de notoriété publique, du nom de Jack Yates, fut son premier patient. Il devait être le brillant exemple de la capacité de l'hôpital à traiter les malades mentaux. Mais, un jour, alors que la famille du directeur lui rendait visite, Yates se libéra de ses liens et assassina la femme de celui-ci. Pendant des années, personne ne sut ce qu'il était advenu de Yates, ni du directeur. Enfin, jusqu'au jour de mon inspection. À mon arrivée,
Le directeur Wallace Halstead m'accueillit à l'entrée de l'hôpital. Conséquence probable du traumatisme qu'il avait vécu des années plus tôt. Il avait l'air aussi hagard et débraillé que ses patients. Au cours de mon inspection, je ne pus que remarquer à quel point il semblait agité chaque fois que nous passions devant un petit placard à balai. J'étais déterminé à savoir pourquoi. Ne tenant aucun compte des protestations du docteur, j'ouvris la porte. Aussitôt, je fus frappé par une forte odeur d'excréments humains. La lumière vacillante m'offrit une vision d'horreur. Un homme, entravé et chétif, gisait au sol, dans sa propre crasse. Les années passées loin de la lumière du jour avaient donné à sa peau, ses yeux et ses cheveux une lividité cadavérique. Il avait été enchaîné là si longtemps que sa peau avait fini par recouvrir ses fers. Il me fallut un bon moment avant de reconnaître l'homme qu'avait été cette coquille vide. Jack Yates. La police arriva et emmena le docteur Halstead, tandis que les médecins sortaient Yates de la pièce minuscule, pour la première fois depuis 15 ans. Son corps décharné avait laissé sur le sol une ombre indélébile. Ils tentèrent de désincruster les chaînes de sa peau, mais ce fut un choc de trop pour lui. Yates rendit l'âme le jour suivant. Je l'ai regardé murer sa prison, comme s'ils essayaient d'effacer le passé. J'espère qu'il a rejoint un monde meilleur. Mais si l'on en croit le personnel de l'hôpital, ces hurlements d'agonie résonnent encore parfois de l'autre côté du mur. What? C'est, c'est spécial, hein. Les gars, ils l'ont enfermé là, tout le personnel le savait, et ils ont rien fait. Et le fait qu'ils s'incrustent dans les chaînes, ça me rappelle un film, je sais pas lequel, mais je pourrais pas vous dire, franchement. Mais ça me rappelle un film où, où une grosse vieille, une vieille grosse, est restée tellement longtemps sur son canapé, qu'elle a fusionné avec ses excréments et le canapé, enfin c'est gore quoi. c'est spécial hein, tout ça. Salut. Non, c'est assez. Médecin méchant, médicament couteau. Je vais dans ma cabane maintenant. D'accord, va dans ta cabane, allez. Laisse les grands jouer tranquille. Ouvre la porte! Ah ah, exit! Ah, je peux sortir! Donc c'est sûrement pour la faire s'évader. On va la faire s'évader? Ouais, chaud. Chaud, chaud, chaud. Alors je lui ouvre la porte. J'ouvre cette porte-là. Et on y va. Non? Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, ouvre. S'inquiéter pour les électrochocs, mais il est déjà trop tard pour elle. Non, ne dis pas ça. Bon, très bien. On va voir ce que notre témoin psychotique a à dire. Elle me voit! Ah, sa sœur, ce serait pas celle qui fait des dessins aussi? Je crois que je reconnais ce symbole. Je l'ai déjà vu avant. Je ne sais pas dans le carnet de ma mère. Ah, le crieur des morts, la cloche et tout. Oh là là, j'avais même pas capté ça quand j'ai vu ce début. Je suis sûre que
Je les connais. Ça, ça veut dire protection. Contrat. Elle se souvient, elle se souvient. Désolé, petite. On n'avait peut-être pas besoin de toi, en fait. Comment ça, on n'avait pas... J'ai rien compris, là. Iris peut me voir, c'est une médium, elle aussi. Belle déduction. T'es sûr que tu serais pas flic, toi? Ah merde, elle veut pas, mais du coup. Que... On dirait qu'elle m'a botté en touche. Bon. Voyons si je trouve quand même des indices sur elle dans cette pièce. Découvrir ce que Iris sait. Allez, on va examiner. Ouh là, elle a quand même retourné son lit, j'avais même pas capté. Cet indice. Eh ben, on va voir ça. Renversé. Ouais. Iris a l'air particulièrement agitée en ce moment. Ouais, surtout quand elle voit un fantôme. Thérapie pour l'art. Pourquoi l'hôpital lui donne-t-il des crayons de couleur? Est-ce que ça fait partie de son traitement? Bah, vu qu'elle aime dessiner, à mon avis, oui. Qu'est-ce que Iris essaye de dire avec ce dessin? La cloche! Oula. La cloche quoi? Brûlée vive, à mon avis, allez. Tada! Ça fait référence à un meurtre du crieur des morts où il a fait brûler l'une de ses victimes sur un bûcher. Ouais. C'est plutôt... ça se voit en fait. Hein. Allez, celui-là. On va voir tous les dessins. Tourmenté. Iris doit sûrement exprimer ses démons intérieurs avec ses dessins. Ah, celui-là non. Ah si. Qu'est-ce que Iris essaie de dire avec ce dessin? Frère. Non. Donc c'est deux filles. C'est deux filles ça? On dirait qu'elle a... C'est un mec avec un sarouel. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Deux filles. Liées. Ah, c'est sa sœur jumelle, d'accord. Iris avait une sœur jumelle. Ah, vous voyez? Pas besoin d'être flic pour tout comprendre. Y'a quoi derrière? Ok, on s'en fout. Plus que deux indices! Qu'est-ce que Iris essaye de dire avec ce dessin? Aucune idée, on va voir ça. Ça ressemble... Merde, j'ai fait une trace, du coup on voit plus rien. Au démon... d'accord, alors, pourchasser et tourmenter, voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, on verra. D'accord, Iris a été capturée par son agresseur, et son agresseur apparemment c'est un psy, mais pourquoi il y a des démons derrière? Je me pose tellement de questions, c'est fou. Une forme de... Par là ou... Non, bleu, des yeux froids comme la mort. Qui avait des yeux bleus? Bah, elle, regarde. Comment ça? Un bleu, œil de loup, regard bleu. Il fallait qu'elle soit débile. Iris a été traumatisée par un individu aux yeux bleus. Et voilà, terminé l'enquête! Ah, il a les yeux bleus, le créateur des morts, d'accord. Non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce
cette violence. Ah, cette violence, mon Dieu. Je suis désolée. Je suis désolée. Bah, tu m'étonnes qu'elle ait été traumatisée quand même. Rose a sauvé la vie d'Iris en sacrifiant la sienne. Le crieur s'en prend aux jeunes filles. Mais c'était quoi? T'as vu quoi? J'ai vu ta mère! Ah non, sa sœur. Sa sœur l'a libérée. Pas pareil. Elle a l'air pour les vivre, mais... Iris, elle n'a pas pu faire pareil. Oula, elle va m'attaquer! Elle est moins forte qu'elle, hein, quand même. Iris, ça va? Ouais, elle s'est évanouie, mais ça va. What? Elle est morte? C'est ah non, c'est sa sœur. Flamme. Elle était possédée. Moi, c'est Joy. Tu n'as rien à faire ici. Les infirmiers. Toi non plus, t'as rien à faire ici. Je suis foutu. Peut-être la clé de ce merdier. Aide-la, aide-la. Allez, viens, on l'emmène avec nous. Non, vous l'emmenez pas. Tu préfères les électrochocs? Elle reste ici. Tu veux qu'elle soit en sécurité? Elle vient avec nous. À toi de voir. Putain, pourquoi je suis pas mort comme ça, moi? C'est classe! C'est classe, c'est classe. Le meurtrier en avait appris Iris et sa sœur. Iris s'est enfuie, mais sa sœur est morte sur le bûcher. Et donc, c'est en compagnie de Pyroman. Enfin, Pyrowoman, d'une femme flamme. Ace au point ardent, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. J'aurais préféré mourir comme ça, hein. Franchement, avoir les flammes sur le côté et tout, c'est dark, mais c'est bien, ça gère. Alors, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, hein. Merci à tous de me suivre, bisous à tous, bye bye.